Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Tout d'abord, je suis content d'être dans cet espace Café Liberté, que je devais présenter mon film un jour ici, mais les autorités officielles, officieuses, n'ont pas voulu. Donc, je suis content de venir ici découvrir cet espace. Pour mon rôle dans ce projet, en fait, je suis le directeur artistique de projet. Pour moi, le point de départ vers le point d'arrivée, ce qui compte, c'est le trajet entre les deux. Donc, on travaille essentiellement contre l'individualisme qui existe dans la société depuis longtemps et qui était produit par un système politique bien déterminé. Donc, on est à la recherche de l'activité collective avant tout. C'est ramener les gens à être ensemble dans l'instant même et dans l'action. Par la suite, on va y arriver à un spectacle, on va dire comme ça, un spectacle participatif dans lequel va y avoir les spectateurs qui participent dans l'action que les acteurs eux-mêmes sont en train de faire ou surtout de jouer. Donc il va y avoir un jeu collectif à la fin qui traite des sujets bien déterminés en rapport le rapport de citoyens avec l'État. Et on expose les problèmes qui existent dans ce rapport, essentiellement en rapport des municipalités, surtout à Béja, Mjezbel. Et par la suite, on va chercher à évoquer ou à provoquer des solutions possibles avec les spectateurs. On travaille depuis 2 mois à diriger un atelier avec les citoyens de Béja qui ne sont pas des acteurs, qui ne sont pas. Mais qui sont très doués, qui cherchent à avoir et à savoir et à apprendre et à participer à faire quelque chose. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci tout le monde. C'est la journée de la JUP. Il n'y a pas beaucoup de journalistes parce que, et c'est la journée des conférences de presse parce que le ministère de la Culture elle a décidé de faire une conférence de presse pour communiquer son programme prochain pour ce qu'elle va faire. Et après, il y a un autre festival. Qui a une conférence de presse. Donc, c'est la journée des conférences de presse. Donc, les journalistes, il n'y en a pas beaucoup. Surtout, c'est ouvert à tout le monde, les gens qui sont en train de prendre un café ici, de poser des questions, de dire quelque chose à propos de ça, ou de dire n'importe quoi, ou même raconter une blague, ça fera du bien le matin. Bon, salut tout le monde.